Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept dans le cadre de la prospection orifère lors de ce cours d'orpaillage sur le concept de la gold line. Donc, qu'est-ce que la gold line? Alors bon, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, c'est tout un débat. Mais bon, ça permet de conceptualiser certains aspects essentiels pour vos recherches et de comprendre comment circule l'or dans la nature. Donc pour ça, on va partir sur un exemple simple. Ça va être un méandre de rivière. Donc la gold line, la ligne de l'or. L'or a une densité très importante. C'est l'un des métaux les plus lourds qui existent dans la nature. Donc il est lourd, c'est une feignasse, il est dense, il se déplace avec difficulté durant les crues ou lorsque l'eau circule au sein de la rivière. Donc il a tendance à se déplacer en ligne droite dans la nature. Non seulement il a tendance à se déplacer en ligne droite, mais il a aussi tendance, comme il pèse lourd, à aller toujours vers le bas, toujours plus profondément. Donc ça, c'est deux notions importantes. Il y a la densité, la gravité. Si on prend un exemple concret avec un méandre intérieur de rivière, donc un cas particulier, donc je vais vous exagérer un peu, mais ça correspond à la réalité du terrain. Donc si on prend une particule d'or lambda, hein, et qu'on trace une ligne imaginaire virtuelle, sachant que le courant de l'eau va dans ce sens-là. Donc, ici, on est à l'amont. Et là, c'est l'aval de l'endroit de l'observation. Notre observateur, lui, se trouve ici. Donc ici il y a un chercheur d'or, il observe. Voilà. Alors il peut être ailleurs, hein, mais moi je le place ici. Là on est en vue de dessus. Vue de dessus. Donc là on a une particule d'or lambda qui pourrait être n'importe où. Hein. Donc cette particule d'or, donc de par les crues successives ou par le courant de l'eau, il aura toujours tendance, parce qu'il est lourd, parce que c'est une feignasse, parce qu'il est dense, à se déplacer en ligne droite. Là, on a la ligne droite médiane. La ligne droite médiane, c'est en quelque sorte la moyenne qui coupe suivant les courbes de la rivière. Et ici, on a la gold line. Du coup, en conséquence, qu'est-ce qui se passe? Dans les méandres intérieurs de rivière, les zones à chercher ou à prospecter ou à repérer en priorité, ce sont au final ces horizons orifères-là. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça dans la réalité.
C'est une simplification. Mais ça vous donne une idée pour conceptualiser le flux de l'or dans la rivière. Lorsque vous lisez et que vous interprétez la rivière, c'est la base du travail. C'est pour ça qu'il faut toujours raisonner la rivière à son niveau le plus haut, en cru. Et c'est pour ça qu'il faut observer la rivière, faire des photos, des vidéos, lorsqu'elle est en cru. Donc soit après un orage, soit durant le printemps, durant la fonte de la neige, par exemple. Ça, ce sont deux choses intéressantes et importantes. Faire des repérages en cru et s'imaginer la rivière à son niveau le plus haut. Voilà. Parce que bon, lorsque le niveau est plus élevé, il aura tendance à submerger les zones en violet, qui sont des zones, on appelle ça d'horizon aurifère. Ce sont des zones de dépôt potentiel aurifère, où statistiquement, il y a de plus de chances qu'il y ait de concentration de particules lourdes. Hein. Donc ça comprend les particules d'or, le fer, le plomb, des objets anthropiques ferreux, des activités humaines ou agricoles. Voilà, ce genre de choses. Et dans ces zones, on va trouver des particules d'or. Il faut comprendre que l'eau a toujours tendance à circuler en courbe ou en vortex, on appelle ça. C'est pour ça que lorsque, à la base, on a un cours d'eau linéaire, et bien comme il y a un mouvement de vortex, on va se retrouver avec l'apparition de méandres. Ça, c'est un concept de base qu'il faut toujours comprendre. Ces méandres-là, au final, l'eau voudra quand même aller tout droit. Et au final, on va avoir ce qu'on appelle des méandres fantômes qui vont se former. Et dans ces méandres fantômes, ça peut être des zones à horizon aurifère contenant des particules d'or. Comme ici, dans les méandres intérieurs de rivière. Donc lorsque vous faites de la prospection et de la recherche par satellite ou par vue aérienne, il est important que vous repériez les méandres intérieurs de rivière. Donc ça peut être des méandres intérieurs de rivière avec du bedrock, des failles, des marmites, des crevasses, des interstices. Et ça peut être des méandres intérieurs de rivière avec des dépôts de barres, par exemple, ce genre de choses. Alors bon, il y a certains prospecteurs qui sont un peu contre ce concept. Mais bon, ça permet de comprendre la manière dont se comporte le déplacement de l'or dans la nature. Donc, les facteurs à prendre en compte pour faire vos recherches, c'est imaginer la rivière en cru. Ensuite, identifier les obstacles. Ensuite, chercher le bedrock. Ensuite, identifier les marmites. Identifier et localiser les failles, les interstices, les creux, les crevasses. Et accessoirement les végétaux et les arbres. Et voilà les amis, vous savez ce que c'est que la gold line maintenant. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça.
Donc si vous avez des questions, des témoignages ou des partages d'informations ou des remarques, hein, des commentaires, n'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur YouTube. Donc je vous invite à le faire. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et pour tous les messages et les échanges qu'on a. Voilà, c'est toujours motivant et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie pour votre patience en tout cas et pour votre fidélité, les amis. Tchuss, prenez soin de vous. Banzai.